Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes après ce duel très chaud entre deux protagonistes. Eh bien, nous retrouvons le plateau des médias, des journalistes pour analyser l'actualité tout au long de cette semaine. C'est bien sûr l'hebdo des éditorialistes. Ils sont déjà avec nous. Je commence par ma gauche. Bonjour, Ferréol Adoukounou, bonjour. Bonjour, c'est Doul. Merci d'être là. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Ça fait un moment, vraiment, le plateau, oui. Le plateau de l'hebdo des éditorialistes vous a manqué peut-être. Mais certainement, mais la grâce de Dieu nous porte. Oui. Et nous sommes encore là pour témoigner son amour et sa grâce sur nous. Et très bien. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste au Béninois Libéré TV, BL TV. Rectification. Ah, très bien. En fait, ça a été une belle histoire. Mm-hmm. Et là, on agit en indépendant. D'accord. Voilà. Aujourd'hui. En indépendant. Super. Ah, voilà. Merci beaucoup, Ferréol Adoukounou. Merci de répondre à notre invitation, journaliste indépendant aujourd'hui. Nous avons également avec nous Yves-Patrick Loco de la Radio Nationale. Bonjour Yves. Bonjour Théodule. Bonjour aux téléspectateurs de votre chaîne ETV. Très bien. Merci d'être là ce soir. Et puis également, troisième invité, Maman Ndeto, directeur de publication du quotidien La Cloche. Bonjour Monsieur Maman. Bonjour Monsieur Moussa. C'est un plaisir de vous renouveler encore cette présence aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, comme vous le savez, l'actualité s'est décortiquée avec les collègues des médias. Chacun choisit l'actualité qui l'aurait marqué tout au long de la semaine. Je commence par Monsieur Adoukounou. Ben oui, pourquoi pas. Nous allons aborder la question. Quelle est l'actualité qui vous a marqué? La question de la fermeture des lieux de plaisance par le préfet Oumla. Voilà, nous parlons également du retour des 6 œuvres culturelles qui ont été rétrocédées par la France. Nous allons parler un peu de l'implication, comment est-ce que véritablement le Bénin va se comporter pour que sur la scène internationale, notre culture puisse favoriser notre développement. Ça a été d'ailleurs le sujet de Yves-Patrick Loco. C'est une bonne nouvelle, parce qu'il faut véritablement qu'on s'y attache. Voilà. Alors, nous allons commencer par le premier sujet, la fermeture des lieux de finances. Oui. Pourquoi avoir choisi ce sujet selon vous? Merci beaucoup. Et moi, je pense qu'en réalité, on doit arrêter de faire les choses comme par le passé. Même Jésus, qui, de toute sa puissance là, où il pouvait tout faire seul, il s'est fait accompagner par des fermiers, des éleveurs, des pêcheurs. Malgré qu'il pouvait faire le travail seul. Et ça, c'est Jésus. Lui, il a compris qu'il faut s'associer à des gens. Voilà que le gouvernement en place nous a habitués à mettre les choses en place avant l'exécution. Je ne sais pas si le préfet a pris cette décision-là, intuitive personnelle, mais seulement le problème qui se pose, il fallait d'abord réfléchir sur la problématique. Nous avons longtemps abandonné nos universitaires, nos professeurs d'université. Là-bas, ils font de la recherche. Et c'est un problème sociologique. La question des filles de joie, c'est un problème sociologique. Tout le monde n'y va pas parce que on a juste envie de se faire de l'argent. Non. Il y a des problèmes de nymphomanie. Et au-delà de ce problème-là, il y a la question de l'emploi qui se pose. Pourquoi il n'a pas fallu d'abord faire référence aux universités pour dire nous sommes face à un problème de société. Les thèses de doctorat que les gens soutiennent un peu partout, là, ça peut servir à quelque chose. Dites-nous, expliquez-nous au moins ce phénomène. Qu'est-ce qui a pu conduire ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer cela? Vous voyez des solutions qui vont vous apporter, qui vous permettront véritablement d'apporter des réponses justes à ces problèmes-là. Lorsque vous prenez les filles de joie, il n'y a pas que les filles de joie qui se donnent du plaisir. Il y a des hommes, même mariés, qui vont se faire du plaisir parce qu'ils ont aussi un problème à régler dans leur subconscient. Et tout ça, c'est des trucs qui sont peut-être au sein de leur famille. Au sein de leur famille. Oui. Et tout ça, on ne pense pas à tout ça, on veut les livrer dans la société encore. Et vous les mettez dans la société pour aller faire quoi? La question de la reconversion, est-ce que ça a été pensé? Il fallait d'abord le faire, sensibiliser, avant même de passer à la répression, si il doit avoir répression. Parce que lorsque vous faites le bon diagnostic, ces personnes-là se retrouvent à travers le diagnostic que vous avez fait. Et se disent, voilà la solution à notre problème, nous allons adhérer à cela. Mais se lever, le préfet lui-même en se levant, il n'est pas allé seul. Il est allé avec des policiers, donc il a compris qu'il fallait aussi se faire accompagner dans des choses, mais en amont.
Il fallait d'abord prévoir cela. Parce que j'ai suivi son intervention où il s'expliquait. C'est des arguments d'un très bon avocat. Mais ce n'est pas scientifique. Et d'une autorité aussi. Et d'une autorité, certes. Mais ce n'est pas scientifique. Il fallait apporter des chiffres, des données qui puissent permettre véritablement à la population de se dire, tiens, il faut que nous mettons dans une prédisposition pour accomplir. Parce que si on ne le fait pas comme ça, vous allez voir, la société béninoise était faite en sorte que les travaux de ces professeurs d'université-là devront servir pour des générations. Et ça qui fait la continuité de l'État. Chaque dirigeant qui viendra va penser que, bon, je viens pour mettre en place mon programme, et ça y est, ils sont prêts encore. Hein. Je sais qu'actuellement, il y a encore de ces politiciens véreux-là, pas des politiques surtout, qui sont là, tapis dans l'ombre, et qui attendent que le président Talon finisse son mandat pour remettre en place leur vision de voir les choses en griffe. Parce que, bon, on attend qu'il passe, et nous allons venir faire notre chose. Les cas ne pas continuer pas se poser, qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut véritablement qu'on mette en place maintenant des mesures durables pour permettre véritablement aux générations futures de bénéficier du travail qui a été mis en place par les gouvernements antérieurs. Très bien. Je pense que c'est déjà ça. Voilà. Et donc, en un mot, si je comprends vos explications, vous n'êtes pas d'accord avec ces décisions. Je ne suis pas contre l'intention d'arrêter cela, mais je suis contre la manière, la procédure. Très bien. Il fallait d'abord, parce que quand on veut crever l'abcès, il faut vraiment la crever jusqu'à la racine. Vous allez les mettre dans la rue, mais ils vont trouver encore des séparatoires. Hein. Peut-être maintenant que c'est des résidences bien meublées, bien privées qui seront mises en place. Et là, oui, parce que ceux qui ont satisfait, en réalité, ils vont mettre en place les mesures pour se faire satisfaire. C'est ça. Oui, et je ne vous dis pas tous ceux qui vont là-bas. Ah, donc oui. Voilà. En tout cas, on a suivi l'entretien tout à l'heure avec le professeur, un sociologue en sociologie de développement. Il a longuement expliqué, nous allons en parler tout à l'heure. Monsieur Mama Ndeto, oui. Votre avis sur la question, est-ce que vous partagez? Je voudrais vous remercier pour cette invitation encore et abonder dans le même sens que mon collègue. Il a déblayé le terrain. Mais hier, j'ai réfléchi au sujet et je voudrais simplement dire que c'est manque de stratégie, selon moi. C'est un manque de stratégie. C'est un manque aussi d'activité, d'œuvre. Parce que, en tant que préfet, on doit mûrir des réflexions pour poser les jalons d'abord. Mais c'est des êtres humains comme nous autres. Et ils ne viennent pas dans ce métier-là, entre griffes, de façon volontaire. Il y a des implications désobligeantes. D'abord, il y a la crise générale, il y a la cherté de la vie, il y a le chômage qui prend de l'ampleur. Maintenant, il faut étudier tous ces aspects-là avant de commencer à déblayer sur le terrain, à renvoyer les gens. Ils vont aller où? La question fondamentale, vous renvoyez les gens. On a renvoyé les gens à Jonke, on a renvoyé les gens au sein de l'amitié. À qui iront-ils, ces gens-là? C'est bien vrai que au Bénin, ce métier, entre griffes, que la prostitution n'est pas réglementée, mais en tant qu'homme, on devait d'abord mûrir les réflexions pour voir si on agissait ainsi, quel serait l'impact. Vous renvoyez les gens aujourd'hui, demain ils reviennent. Le lendemain ils reviennent. Ça n'a pas d'impact. Et je pense que c'est un manque de stratégie. C'est un manque de stratégie, un manque d'activité. Donc on pouvait revenir sur cet aspect-là pour dire, voilà. Vous voulez dire que vous n'allez quand même pas dire que le préfet n'a pas d'activité, il est désœuvré. Non, ça fait partie des priorités. Lorsque vous renvoyez les gens aujourd'hui. Monsieur Maman Ndito. Oui, monsieur Edouard. Lorsque vous renvoyez les gens aujourd'hui à Jonke, demain, c'est de la métier, vous allez les retrouver ailleurs. Ça veut dire que le préfet doit faire le tour du Bénin. Oui, mais c'est ça. Sinon, c'est le tour de son territoire. De toute façon, lorsque vous renvoyez les gens d'un point A, ils iront dans un point B. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que la réflexion doit être mûre de façon approfondie. Mais il a été clair. Les cas sociaux. Il a été clair, il dit que c'est une pratique qu'on cherche à réguler parce que ça a d'autres implications. Non. Ça crée d'autres problèmes. Non. On ne doit pas, ce n'est pas une pratique qu'on parle. Dans d'autres pays, c'est légalisé, c'est réglementé. Si c'est comme ça, il faut prendre d'autres mesures alternatives qui pourraient juguler la crise. Vous ne pouvez pas vous lever du lendemain et réglementer une situation pratique qui a duré longtemps. Avant de laisser la parole. Oui. Mais je vais te rappeler ceci. C'est bien que celle-là ait officialisé leur job. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'on traite la prostitution du plus vieux métier du monde. Oui, voilà. C'est bien que celle-là ait pu officialiser leur job. Qu'est-ce qui se passe dans les administrations? Vous pensez que mon doigt est
Il pratique le corps à la même influence sur une autorité de son service s'il était une femme. C'est encore grave. C'est encore grave. Non, non, je ne vais pas aller plus loin. Vous savez de quoi je parle. C'est encore plus grave. C'est pour vous dire qu'en réalité, oui. ce qui se passe même à l'intérieur, ceux qui ont caché le jeu là, hein, c'est encore pire que ce que nous voyons chez les âmes là. Et il faut véritablement un travail psychologique. Lorsque nous allons les prendre, nous allons les sensibiliser. Nous en enverrons chez les psychologues pour véritablement les réarmer mentalement. Pour que véritablement on puisse se dire, désormais voilà l'issue. L'issue de la reconversion, c'est de l'emploi pour eux. Il y en a qui vont le faire pour penser de leur famille. Il y a des filles qui ont choisi de se prostituer pour pouvoir prendre en charge leur petit frère pour aller à l'école. Il y a plein d'implications dans cette situation, dans cette affaire. Qu'il faut y réfléchir. Très bien. Et Patrick Loco, oui, nous vous écoutons votre avis sur le sujet. Oui, Théodule Ronsard, deux préalables rapidement. Oui. Voilà. Vous me permettrez d'aller d'abord en langue nationale fombri pour dire Arosu do Tomenodo Agassin. Ah ben oui. C'est un adage qui, séculaire qui existe au Bénin pour dire que l'État établi n'interdit pas la prostitution. Parce que ça règle des problèmes sociologiques énormes. C'est pas pour rien qu'il y a les viols et autres qui ont pris de l'ampleur. C'est parce que c'est cette pratique, ce métier... permet un tant soit peu de réguler les choses. D'un autre point de vue, je pense que la prostitution et le racolage ne sont pas interdits par nos lois au Bénin. Et j'ai dit que c'est des préalables que je fais rapidement. Et contrairement à mes deux confrères sur ce plateau, je vais dire que le préfet n'a pas forcément tort en agissant ainsi. C'est vrai, il a donné des explications pour dire que les filles de joie, les prostituées, entre griffes, encore que c'est un peu dévalorisant de parler de prostituées, que ça constitue un phénomène à bannir dans notre pays. Mais c'est une autorité qui parle. Donc, au-delà de ce qu'il a dit, de ce que le préfet a dit, le premier responsable du département... du département commune, voilà. Littoral. Voilà. Littoral, oui. Au-delà de ce qu'il a dit, moi, je pense qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Il a parlé de prosélytisme, qui est un phénomène très déplorable. Vous savez, le prosélytisme, par exemple, il y a tout dans ce milieu-là. Le vol, le braquage, la drogue, l'alcool, il y a tout dans le prosélytisme. Et le prosélytisme, c'est un peu comme le parrainage. Vous envoyez peut-être une fille de joie aller prendre 10 000 francs quelque part, mais qui ne s'en sort pas avec les 10 000 francs. C'est peut-être au bout du rouleau 2 000 francs qui lui reviennent. Parce que quelqu'un va dire qu'il lui a loué la chambre, va prendre de l'argent, quelqu'un va s'autoproclamer son gardien ou garde du corps, son copain également est dans le lot. Donc, la prostitution en elle-même n'est pas le phénomène qui est à bannir. Mais c'est le prosélytisme qu'il y a autour que peut-être, et le préfet n'a pas... Puisque c'est une autorité... Appelez les choses par leur voilà, nom, carrément. Voilà, qui n'a pas... Appelez les choses par leur nom. Oui, carrément, oui. Et ce qui est sûr, c'est que des informations sont parvenues. Vous savez, ces derniers jours, il y a eu élimination de beaucoup de braqueurs dans le pays. Il y a eu même recrudescence de vol à main armée et tout ça. Mais ces gens-là ne vont pas forcément dans les hôtels. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est des renseignements que l'autorité préfectorale a eu. Et on ne dit pas peut-être tout sur la place publique. Donc... ce n'est pas pour défendre l'autorité préfectorale, mais c'est dire qu'au-delà, puisque en commençant, j'ai dit que l'État constitué n'interdit pas la prostitution, encore que la prostitution et le racolage ne sont pas interdits dans notre pays. Donc, au-delà de l'action qui est menée, il faut voir ce qu'il y a derrière et laisser peut-être le temps au temps. Le préfet, accompagné de la police républicaine, a fait des descentes dans certains coins chauds de la ville. Les filles ont été présentées au procureur de la République. Elles sont reparties chez elles. Malgré ça,
Pourquoi? C'est les moyens de l'État qui ont été, déployés. Malgré ça, la lutte a continué. On a l'impression que la préfecture de Cotonou est un endroit féroce. C'est qu'il y a quelque chose qui est recherché et on aura peut-être un jour ou l'autre les résultats. Très bien. S'il vous plaît. Bientôt. Avant de laisser. Parce que si on admet, que. Rapidement, vous avez parlé des études sociologiques. Il y a eu récemment, moins de 3 mois, il y a eu une thèse en sociologie sur le campus qui a parlé du rôle économique de la prostitution. Très bien. Peut-être que les thèses ne sont pas assez disséminé, voilà. Il n'y a pas de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Peut-être que le préfet s'est chargé de mission et autres aurait dû aller lire aussi ces documents-là. Donc, on va leur donner le temps de se rattraper. Très bien. Avant de laisser Véral continuer, nous allons écouter maman. Effectivement, c'est un sujet. La prostitution, non, c'est pas banni, c'est impossible. Et il y a de la prostitution déguisée, les promotions canapés qu'on a dans les administrations. Donc, le sujet est très vaste. C'est peut-être parce que ces filles-là ont choisi de se mettre au bord des voies, de donner leurs contacts. Et c'est un mérite qui permet de transformer de donner leurs contacts à des hôtels pour qu'elles soient sollicitées et tout. Mais il faut aller doucement. Ça permet de faire face aux problèmes. Aux problèmes, oui. Vous aurez la parole tout à l'heure. Je suis très heureux que le débat ait lieu comme ça. Parce que le sujet là, c'est un sujet très vaste. Les prostituées dont vous parlez, ce ne sont pas les élèves, ce ne sont pas les étudiantes. On ne peut pas se mettre dans la rue comme ça. Ils viennent de quelque part, ces gens-là. Il y a des étudiants parmi eux, les étudiants. Les filles qui se sont présentées au procureur, demandez-leur d'où elles viennent. Quelle était leur profession? Alors, c'est ça. Donc, c'est un problème d'ordre sociologique. Et ces filles-là viennent de quelque part. Dans tous les milieux, par exemple, à l'école, il y a des filles qui sont à l'école, qui se prostituent. À l'université, il y a des filles qui sont à l'université, qui se prostituent. Vous voulez dire aussi, maintenant que dans l'administration aussi. Mais quand on parle de l'administration aussi, c'est sûr, ils doivent avoir quelques nids là aussi, qu'il faut dénicher aussi. Donc, c'est pour dire que c'est un sujet très, 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 très vaste, qu'il ne faut pas se mettre comme ça du go pour l'éradiquer. Ce n'est pas maintenant. Très bien. Ce n'est pas maintenant. Bon, la gestion du préfet Orunla, par rapport à ce... Non, je ne veux pas parler de tout ça. Justement, c'est ça qui nous intéresse. J'ai l'impression que la préfecture du littoral, à chaque préfet, son instant de zèle. On a connu le préfet Orunla. Est-ce qu'il y avait... Bon, il y a une transition. Est-ce qu'on peut parler de zèle ou bien le préfet? Oui. C'est un zèle parce qu'il y a déjà eu une première arrestation, d'accord? Ça a fait un peu de... Après, on a libéré. On a pensé maintenant qu'après ça, il fallait maintenant faire repli tactique et réfléchir davantage sur le problème. En fait, c'est en cela qu'ils vont engloutir beaucoup plus de ressources pour n'avoir aucun résultat. Et pourquoi ne pas prendre le temps d'abord de réfléchir sur ces aspects-là? Le sujet particulier que vient de parler d'une thèse qui a été sur là. Mais je crois que l'information maintenant vient d'être donnée publiquement. Il faudrait que le préfet puisse essayer de rencontrer ce docteur-là pour lui dire, mais dis-moi un peu comment tu as pu procéder à tes recherches. Pour comprendre, c'est important. Les enquêtes. Pour comprendre. Sinon, on n'est pas en train d'encourager la prostitution. Non. Moi, j'ai des témoignages où la fille ne manque de rien. Ses parents sont nantis. Rien. Mais... tous les soirs, elle se faufile, elle escalade même le mur, ou se retrouver dans les abords des endroits que vous connaissez là. Mais ça pose un problème psychologique. C'est ça le problème. C'est parfois des filles, peut-être. C'est parfois des filles. Si vous êtes une fille qui a été violée par votre papa, oui, parce que ça se passe dans la société actuelle. C'est autant de choses qu'on peut diagnostiquer avant d'aller faire ce problème-là. Pour que à chaque hypothèse que vous apportez... Peut-être des femmes qui sont abandonnées par la mari, qui ont la charge de plusieurs... C'est pas une raison, certes, mais il y en a qui n'ont que cette seule option-là. Mais lorsqu'on va commencer par émettre des hypothèses, on se rendra compte que chaque fille, en son fort intérieur, va se retrouver à travers une des hypothèses. Et les solutions qui seront apportées leur permettra de savoir que tout n'est pas fini, nous pouvons rebondir autrement. C'est important. Parce que je ne voudrais pas que... demain, si le préfet auront là, quitte son fauteuil, c'est un poste nominatif, nous sommes d'accord, un autre préfet viendra.
Et lui, peut-être en fonction de la réflexion qu'il lui a toujours dans sa maison. C'est la prière que Patrick Baudet vous fait. Ah, voilà, c'est une bonne nouvelle, on verra bien. Mais ce que je pense en réalité, oui. Le prochain qui viendra, en fonction de la réflexion qu'il a l'habitude de mener par rapport à la société, il va se dire, ben, à Cotonou, il faut que ceci change. Peut-être qu'il viendra avec vous ici pour vous dire que les journalistes qui traitent des questions, là, il faut les arrêter. Il faut arrêter tout ça. On ne va plus voir ça. Tant que je suis préfet de littoral, il n'y aura plus de débat de ce genre. Et là, là, ça va faire encore la tournée. Et là, le problème, on reconnaîtra en sous-préfet, là, c'est elle, là aussi. Je pense que tout ce qu'on doit faire désormais doit servir pour les générations futures. Pour que toute personne qui vient puisse se dire, il y a un existant, on doit pouvoir marcher sur ça. C'est important. Qu'on cesse chaque fois de dire, parce que moi, je suis là, je vais instaurer ma loi. Quand est-ce que nous allons changer la société? L'État doit véritablement devenir une continuité. Très bien. Voilà. Oui, Patrick Lecour. Oui, l'État doit devenir une continuité, il a dit. Mais sur cet aspect-là, je continue de dire, c'est un peu comme de la diplomatie. Elle est secrète, mais c'est les résultats qui sont portés au grand jour. Le préfet est en train de rechercher un résultat qu'il n'a pas envie de dévoiler forcément tout de suite. Nous aurons peut-être les résultats les jours à venir. Vous citez On peut lui donner la communion sans confession pour le moment. Mais on va attendre. Mais je continue de dire que c'est un peu brusqué et qu'on n'interdit pas la prostitution dans un pays où les règles sont établies. Certainement que le préfet en est conscient. Il sait que il sait ça. Mais non, je rejoins un peu Patrick Lecour qui dit, bon, peut-être il y a une finalité. C'est un problème sociologique que ça crée. C'est vrai. Peut-être qu'on n'a pas consulté, fait des recherches, consulté les sachants sur la question d'abord avant d'entamer. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de comprendre que cela suscite un débat, cette polémique. Parce que pour les habitués de la nuit, c'est comme un serpent qui se mord, là, que celle que vous avez renvoyée de Jonquet, du Stade de l'Amitié, elles se sont déplacées maintenant vers le CEG Godomain, qui n'est plus heureusement sur le territoire du littoral. Ils sont dans l'Atlantique. Si. Enfin, ça c'est sur le net, j'ai lu ça très récemment. Donc c'est peut-être une action concertée de tous les préfets qui va finalement aboutir au bannissement métier-là. Ce sera un peu comme la traque au chicha, ou bien la chicha par exemple. Ça je suis d'accord. Donc... il faut une action concertée si on veut, mais il ne faut pas le faire en vase clos. Vous avez peut-être une solution. Une solution, oui, proposez-nous là. Une solution. Oui. Vous savez, si l'État veut régler cette affaire-là, on a été colonisé par la France, nous voulons véritablement nous affirmer. Par les pays européens, ils se développent aujourd'hui. Donc. Ça va peut-être créer un incident diplomatique, mais on va arrêter, on va faire chose là. Mais faites-les partir en Europe. Ils n'ont qu'à aller. On pose au ménage le problème de notre football. Alors, faites-les partir en Europe. Trouvez-leur une occupation. Vous imaginez un de ces cadres couché avec une de ces prostituées faire un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire? On va le rendre utile pour la nation pour autrement. Bon, ça, c'est une solution. Signé Féola Doukounou. Oui, nous allons évoluer, aborder le second sujet avec Yves-Patrick Lecour. Oui, j'ai proposé le retour des 26 œuvres. Voilà. Que la France veut bien rétrocéder au Bénin. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Même quand vous écoutez RFI, une radio française, une radio du ministère des Affaires étrangères de la France, cette radio parle d'œuvres pillées. Mais ici, on a envie de faire du diplomatiquement correct. On parle des œuvres rétrocédées. Il ne faut pas qu'on se cache. Il ne faut pas qu'on cache notre nudité à notre jade de la douche pour reconnaître que c'est des œuvres qui ont été pour la plupart pillées, emportées en France par le général Alfred Amédée Dodd et qui doivent être de retour dans quelques jours, le 10 novembre. Il faut saluer ce retour-là. Et j'ai discuté avec un doyen ce matin, Abidinoukon Constant, pour ne pas le nommer, que j'ai rencontré en venant ici, qui est très heureux, comme tout natif d'Abomey, comme tout béninois, qui est très heureux du retour de ces œuvres-là. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais vu
et qui n'ont pas pu peut-être faire le voyage pour aller le voir, mais qui ont peut-être vu ces œuvres-là parce qu'au détour de la participation à une délégation pour aller en France, ils ont sorti rapidement 10 euros pour aller au musée. Les œuvres viendront. On verra ça chez nous. Ce serait bien. Encore que la question de la fréquentation des musées se pose. Nous sommes sur ce plateau, je ne sais pas à quand remonte notre dernière visite, ne serait-ce qu'au musée d'Abomey ou au musée romain, même à Ouida, voilà, ou peut-être, moi j'ai été au musée de Monsieur Denis Avimangassi, mais c'est parce qu'il m'a offert des tickets. Bon, encore que j'ai dû prendre de l'essence pour faire le voyage aller-retour. Mais je ne vois pas combien puisse faire ce tour-là, aller dans un musée. Ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, avec le retour de ces œuvres-là, il faut inculquer. Pourquoi ne pas imposer une visite, comment on les appelle, les sorties, voilà, les sorties dans les écoles. Pourquoi ne pas imposer ça aux écoles à partir du CM2 ou à partir de la 6e. Faire déplacer normalement une fois, enfin rigoureusement une fois par an au moins, les élèves, les amener dans les musées pour pouvoir voir les œuvres qui sont revenues. Parce que des œuvres revenues qui ne sont pas visitées, ça ne servirait à rien. Très bien. Merci Patrick Loco. Monsieur Maman, votre réaction par rapport à ce sujet. Par rapport à la restitution des œuvres pillées, je pense que le débat devait être le suivi. Parce qu'il ne s'agit pas de faire revenir les biens culturels pillés et de les déposer là simplement et ça fait une joie pour nous. D'abord, je voudrais remercier le chef de l'État qui a pris cette décision-là de faire retour. Faire revenir ces objets au pays. Mais la question fondamentale, c'est l'entretien qu'il pose. Parce que je ne sais pas aussi si nous sommes capables jusqu'à présent l'entretien. Mais les ministres sont montés au créneau et ont rassuré. Il y a un vaste projet muséal. Il y a tout le monde près d'un milliard. Oui. Tout ça, c'est bon. Dans la pratique, vous pouvez tout dire, mais dans la pratique, qu'est-ce qui serait fait? Et le fort portugais de Ouida est en pleine rénovation. Tout ça là, je connais tout ça là. Les infrastructures, tout le dispositif est là. Le doyen fait la promotion. Oui, tout le dispositif est là. Je suis d'accord. Et s'il fait la promotion du PAG, il y a les. Je dis juste ce qui est. Voilà, ceux qui maîtrisent le dossier nous ont informés. Ceux qui ont, au cœur du dossier, nous ont informés de ce qui se fait, l'évolution de la situation. Qu'est-ce qui est prévu? Oui. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Je n'ai pas fini. Tout ça là, c'est beau. Je reviens là-dessus. Dans la pratique, nous ne sommes pas habitués à protéger les œuvres d'art. Pourquoi? Nous ne sommes pas habitués. Si on était habitués, pourquoi on aurait volé tout ça là? C'est ça? Dans la pratique. Voler, c'était en temps de guerre. Dans la pratique. Maintenant, c'est ce qui me tient à cœur. L'entretien est suivi. La conservation. On peut avoir. Monsieur Maman, est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'aller visiter de votre gré, hein? Non pas parce que vous devez aller faire un reportage. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller visiter? Jamais. Je pense que c'est pendant. Un musée, vous l'avez jamais musée, fait. J'ai fait deux fois. Non, de votre volonté. Non, pas volontairement. Mais je vous invite au musée historique d'Abomey alors. C'est très important. Alors. Parce que vous invite tout le temps aussi, prenez la décision peut-être un week-end. En profitant, vous posez du Montaigne à Abomey et puis vous allez pouvoir. Voilà, c'est très important. Même les 26 œuvres de la qu'on parle, c'est sur les réseaux sociaux, je vois ça. Oui, donc, nous voyons ça. Nous voyons tous ça. Ah voilà. Voilà. Oui, faites la découverte. C'est intéressant d'y aller ensemble. Le doyen dit quelque chose tout à l'heure. Patrick. Non, mais écoutez. Ce que je pense, c'est qu'en réalité, il a dit combien de Béninois de leur propre gré vont visiter des musées. Mais c'est un loisir que d'aller visiter un musée. Le problème se pose, c'est que le Béninois ne vit pas. C'est-à-dire? J'aurais vu le règlement de ce problème-là dans une réforme précédente du gouvernement. Le réaménagement des horaires de travail. J'étais dans une prière pour qu'on dise désormais que l'administration ferme à 16 heures.
Et le reste du temps? Et le reste du temps, oui. Vous pouvez aller faire du sport. Vous pouvez véritablement aller vous divertir. C'est pas pourquoi le Bénin est stressé partout. L'administration ne fonctionne pas bien parce que le Bénin est stressé. Mais il reste au stade. Il reste au stade de la métier. Pour prendre la bière. Mais ce sont ceux qui fonctionnent. C'est encore une indice de stress. Ce sont ceux qui font fonctionner l'administration, si ce n'est les Béninois. Mais justement, ils sont stressés. Vous savez ce qu'on appelle la rentabilité? C'est peut-être un sujet sur lequel on va revenir. Mmh. Nous sommes d'accord. Mmh. Mais moi, je pense que ces réaménagements auraient permis, par exemple, aux Béninois de dire, ce soir à 16h. Une femme qui quitte son boulot à 16h va rentrer très tôt pour préparer à son mari. Ils ont le temps pour faire de la laitue. Ils ont le temps pour aller dans les parcs. C'est ça le problème. Mais c'est à chacun. Aujourd'hui, chacun s'organise à sa manière. Ce n'est pas un instant de plaisir, mais c'est une nécessité pour bien vivre, pour te permettre le lendemain d'être productif au boulot. Ça là, on va faire le débat après. Seulement, il faut féliciter le gouvernement parce que c'est une première. D'accord? Oui. Il y a plusieurs gouvernements qui ont demandé, on leur a dit non, ils se sont tués. Et c'est comme un humoriste béninois qualifié de chef de l'État. On lui demande comment il s'appelle, il dit mais qui nous redoute Judathan. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais je vois un peu ça. Mais c'est pour dire qu'il a su avoir le cran qu'il faut, la méthode qu'il faut, d'accord, pour pouvoir prendre, même si c'est infime, cette petite partie là. D'abord, c'est un privilège pour le Bénin désormais. Mais moi, la question que je me pose, ils n'ont pas tout pris, hein, malgré que nous avons encore beaucoup d'œuvres là-bas. Près de 3 000 œuvres. Tous les œuvres n'ont pas été pillées. Il y en a qui sont restés. Il y a des Béninois qui ont vendu ça. Très bien. Un peu comme les pitons. Mais c'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Il y a une chanson de John Acadus, Wida Blues. Il y a ça dans les billets. Ah, vous voyez, c'est ça le problème. Heureusement que ces biens nous reviennent sécurisés. À toute chose, malheur est bon aussi. Ça veut dire que si le blanc n'avait pas pillé ça, on n'aurait plus rien. Vendu. Le trône de roi Guézo serait maintenant peut-être dans la cave d'une personne, d'un collectionneur. Oui, ou bien consumé par les termitiers. Donc je dis qu'en réalité, c'est un privilège. Et que le gouvernement actuel nous rassure que les mesures sont en train d'être prises pour entretenir ça, je dis c'est bien. Mais si vous suivez un peu les images qui sont passées, en France, vous allez remarquer que ces gens-là, ils maîtrisent notre culture plus que nous-mêmes. J'ai vu un tableau où ils ont fait la généalogie de toutes les dynasties d'Abomey. Et j'ai voulu comprendre un peu, est-ce qu'ils vont respecter ça? Mais après le roi à Gonglo, ils ont fait cas du roi à Dandozan. Je ne veux plus être en train. Il faut qu'on soit en train. Il faut le réhabiliter. Parce qu'au cours des cérémonies royales à Abomey, on fait des cérémonies pour ce roi-là, à ce niveau, à chaque fois. C'est ça. Arrivé à son niveau, on ne l'extrapole pas. On fait les cérémonies. Il faut assumer. Tassi Rangbe, aujourd'hui, on parle d'approche Jean. On a géré le royaume pendant 3 ans. Et attention. Elle est en train de réhabiliter aussi. Quand vous parlez de en train, ce mot n'est pas bien. Elle devrait être déjà réhabilitée. C'est pour dire que le retour de ces œuvres-là devrait être une occasion pour notre gouvernement de nous permettre à organes de presse et ainsi de suite. Ou bien de mettre en place un fonds. Parce que ce fonds-là va permettre beaucoup plus aux organes de presse de faire de belles productions. Quand nous exemptons un peu de la couverture des cérémonies de lancement, d'inauguration et ainsi de suite, pour qu'on aille faire de vraies productions sur l'histoire de notre pays. Parce qu'à partir de cela, chaque Béninoise sera fier de défendre sa nation. Et c'est en cela que le blanc voudra revenir ici pour découvrir ce que nous lui avons fait découvrir de façon sur les écrans. Une manière de retrocéder nos dividendes. C'est très important. Et l'autre chose, le chef de l'État, je veux qu'il aille plus loin. Parce que à chaque fois qu'on parle de révision constitutionnelle, où on a officialisé la chefferie traditionnelle, je voudrais que dans la constitution désormais, qu'on insère que le chef de l'État est le garant de la culture du Bénin. Et ça vous dit quoi? Ça veut dire que le chef d'État du Bénin ne doit plus sortir aller en France en costume. Non. Il n'a qu'à choisir la tenue de nos frères du Borgou. D'accord? Comment on appelle le ça? Taco? Le taco? Ou bien le gobi? Un wogali. Grandi. Non mais. Le pain est noué. Parce que le problème, c'est que ceux-là, ils ont un avantage. L'avantage d'être curieux. Lorsqu'ils découvrent quelque chose de nouveau, ils veulent découvrir. Parce qu'on a vu, même au musée du Quai Branly, pendant la semaine du Bénin, on a vu nos ministres en costume à Paris. Oui, c'est le problème. Non. C'est-à-dire, il faut qu'on y aille là.
Et en ce moment-là, vous imaginez quand le président Macron rencontre le président Talon et qu'il lui dit bonjour, mais le président dit oui, il est à fond. Bon. Ah, vous allez voir que le président Macron va réfléchir par deux fois, il va dire bon, il me faut un interprète en fond. Il va trouver ça où vous pensez. Il vient de se faire former ici. Et c'est des dividendes pour nous. En fait, il y a trop d'implications dans la politique du développement culturel. Et tant qu'on ne va pas oser, on ne va pas y arriver. Le président Burkinabé, depuis quand Sankara a institué cela, ça peut être dit aujourd'hui. Ils n'ont pas honte à sortir comme ça. Le roi Moustoua Titi du ce monsieur va aux Nations Unies. Imaginez-vous, il est l'attraction de tout le monde. C'est bien pour son pays. Beaucoup diront, j'irai dans ce pays pour voir. Parce qu'il y a les filles aussi qui sont nues d'une façon terrible à ce niveau-là. C'est culturel. C'est culturel. Donc, je pense que le retour de ces œuvres-là doit véritablement être une occasion pour nous, pour repenser véritablement notre politique culturelle. Ouais. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à cette actualité-là. Et il se dit, actuellement, je n'ai pas encore vérifié quand même, je ne sais pas s'il est bien de le dire, qu'il y a un pagne qui aurait été pris à Abomey et qui sèmerait un peu la discorde. Il ne faut pas qu'on aille là autour de cette belle fête qui est le retour des 26 œuvres culturelles du Bénin. Il y a également une mobilisation des femmes d'Antokpa, je ne sais pas le lien, des 26 œuvres avec les commerçants d'Antokpa. Donc, encore qu'on est dans une période où la pandémie du COVID-19 est en train de sévir, donc il va falloir bien organiser les choses pour qu'on évite des mouvements de foule. C'est vrai, c'est une attraction. J'ai appris qu'au retour des cendres de Béanzin, en 1928, avec ses enfants Wani Loé Awagbe, il y avait tout au long des rails de Cotonou à Boïkon, quand le train qui transportait la dépouille du roi Béanzin devait partir, il y avait une mobilisation générale des Béninois tout au long des rails de Cotonou à Boïkon. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un contexte de pandémie. Donc, il va falloir vraiment maîtriser les mouvements de foule et ne pas gâcher la fête qui est ce retour des œuvres culturelles. Oui, ce qui est... Je pense que ce serait intéressant si on peut vraiment voir dans les habitudes des Béninois l'adoption véritable de ces 26 œuvres-là qui va se ressentir sur le plan vestimentaire, dans notre tenue, dans un habillement, ça va impacter. Mais dire qu'on a pu recevoir 26 et le problème est fini, ce n'est pas ça. On doit ressentir ça dans nos habitudes. Sans quoi, tout ça là, c'est de la théorie. Ça, franchement, je reviens là-dessus. Vous voulez inviter les Béninois désormais, puisque quand tous les musées seront construits et ces 26 œuvres seront installées, désormais, pour aller les visiter, ce serait bien payant. Ce serait bien payant, comme ce qui se passe de l'autre côté. Vous êtes d'accord avec moi? Mais naturellement, mais ça participe à une adhésion collective à l'œuvre de développement du pays. Ça participe à une adhésion collective. Et il faut imposer ça dans les programmes d'études pour que les sorties pédagogiques, comment on appelle ça, les sorties pédagogiques, ou même les sorties à la veille des congés, où on amène les enfants à la plage, on leur donne du pain avec un peu de garniture à l'intérieur. Il faut maintenant que, au lieu d'aller à la plage, qu'on envoie les enfants dans les musées. Effectivement, par rapport à cette au-delà des 26 œuvres, il y a des musées qui existent. À Parakou, il y a des musées. À Port-Novo, il y a des musées. Donc, au-delà des 26 œuvres qui vont revenir, il faut que la visite des musées soit une norme désormais au Bénin. Oui, ça c'est ce que nous avons, ça. C'est ce que nous avons et personne ne peut nous l'arracher. Il faut aussi reconnaître que le travail qui est fait au niveau du ministère des Affaires étrangères, à travers la direction des relations culturelles, de la coopération décentralisée, des partenariats, que d'ailleurs un sociologue dirige, le professeur Nangouet. D'accord? Florentin. Voilà. Aujourd'hui, quand vous allez au ministère des Affaires étrangères, vous avez des œuvres d'art qui sont entreposées, ainsi de suite. Ça participe déjà à une visibilité. Mais ce n'est pas pour rien qu'un sociologue est là. Il faut mieux alors le voir pour qu'il produise aussi des réflexions, pour étendre véritablement la diplomatie culturelle du Bénin, pour que désormais le Bénin à l'extérieur puisse être perçu autrement. C'est important. Si on ne peut pas nous imposer tous les vendredis de nous appeler, par exemple déjà au Bénin, les vendredis, tout le monde dit c'est le local. Mais si tous les vendredis on nous exige le taco ou bien la tenue, tout là, chacun va se retrouver dedans. Parce qu'on se dira,
Là, je suis béninois, une bonne fois pour toutes. Mm. Et donc, je pense que les autorités ont certainement compris. Quand on va exiger, mais une fois encore, les Béninois vont poser le problème de la liberté. Chacun est libre de. C'est-à-dire, il ne faut pas, en tout cas, mettre à mal la liberté. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la dictature du développement? Oui. Vous savez, le problème, c'est quoi? Vous êtes dans le passé. Non, ce n'est pas le passé. En fait, le problème, c'est ceci. Il y a des choses sur lesquelles il faut être intransigeant. Là, je suis d'accord qu'on soit intransigeant. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on va le faire. Vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous expliquer. Pour que le préfet cherche à assainir sa ville. Ça, c'est autre chose. Lui, là, on va régler ça là autrement. D'accord. Mais je vous explique ceci. Non. Je vous explique ceci. Vous savez, lorsque vous allez commencer par porter cela, c'est de l'argent qui vient à l'artisan qui le fait. Vous voulez dire que nous sommes d'accord sur le plateau, donc c'est Yves-Patrick Loco qui Non, ça vient encore, ça vient d'ailleurs. C'est pas ici. Ça vient d'ailleurs. Mais le fait est qu'en réalité, lorsque vous faites ça, c'est les artisans béninois qui commencent à trouver du travail. Ouais. D'accord? Un peu partout. Et lorsqu'on gagne de l'argent, on va le mettre sous son matelas. On investit. Nous sommes d'accord? Lorsque le président béninois sort et qu'il va à l'extérieur, lorsqu'il veut offrir un présent à son homologue, il lui offre cette tenue-là. Mmh. Si vous et moi, nous achetons ça au Bénin à 5000 francs, lui n'achètera pas ça chez l'ouvrier à 5000 francs. Hein? Ça veut dire quoi? Ça participe. En fait, ça tourne. L'argent tourne en ce moment-là. Et l'ouvrier est capable maintenant de commencer à former des gens. C'est ça le problème. Mais tant qu'on ne valorise pas ce que nous avons, on a parlé du consommant local. Voilà encore autre chose. Et c'est juste une semaine qu'on met en place. Un mois. Bon, c'est rien. Pourquoi est-ce que les banquets qu'on organise dans les ministères, là, qu'on ne choisit pas de bannir les hors d'œuvre, les trucs bizarres là, hein, et qu'on nous mette du nyomli, du mantenjan, des trucs, pour que véritablement on se dise, ce repas-là, ça vient de quelle région du Bénin? Ce repas, le Toubani, Bogou, Parakou. C'est ça le problème. Moi, le Toubani, j'ai fait l'expérience, mais quand vous prenez du Toubani pour 100 francs, mais là, vous êtes rassasié. Et vous en avez pour toute la journée. Et alors? Donc, c'est dit qu'en réalité, nous avons des valeurs que nous devons promouvoir. Et donc, le retour de ces 26 œuvres doit être une occasion véritable pour penser. L'histoire de notre pays. C'est ça. Ouais. Vous faire revenir. Vous... Ouais. Ça, là, je suis à 15 000%. D'accord, là, on peut investir des milliards pour ça. Parce que nous savons qu'en investissant ces milliards-là, il y aura une plus-value qui viendra pour notre pays. C'est clair. Très bien. Vous imaginez que le blanc, l'européen, le français vienne ici. Je ne sais pas l'ordre d'œuvre qu'il pense chez lui. Je te sers le mantenja en bonne forme. Mais d'ailleurs. Mais quand tu rentres, tu te dis. Mais... Oui. Et en même moment qu'on te le sert, on te présente les propriétés diététiques de ce que tu prends. Le gars sait que ce que je suis en train de prendre peut lutter contre le diabète qui me dérange depuis longtemps chez moi. Mais c'est ça le problème. Donc, il faut véritablement que nous allions véritablement dans une promotion de notre identité culturelle sur tous les plans. À travers cette restauration. C'est une opportunité. Oui, mais voilà. Patrick Lecoy a abordé un sujet qu'on semblait occulter. Là, il parle, quand vous écoutez RFI, on parle d'œuvres pillées. Alors que ici, les nôtres, en Afrique, au Bénin particulièrement, nous parlons de restitution des problèmes de sémantique qui se posent. Est-ce qu'on veut corriger les choses? Ça, c'est diplomatiquement. Non. Oui. Nous sommes béninois. Oui. Et notre culture nous dit c'est-à-dire, quand tu sais le faire, tu vas encore prendre. C'est notre stratégie pour pouvoir encore demander après. Vous savez, quand vous tendez, la main qui est tendue, quand quelqu'un dit tenu merci là, c'est une manière de te dire encore donne-moi. Vous voyez? C'est un homme. Et les Français, c'est bien qu'eux-mêmes assument qu'ils ont pillé. Merci, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Merci, ça c'est bien. Ils assument qu'ils ont pillé. D'accord? Mais nous on dit merci de nous l'avoir retrocédé, parce que c'était pas évident. C'est vrai. C'était pas évident. Merci de nous l'avoir retrocédé, mais maintenant là, si vous pouvez encore nous donner. C'est le chapeau du prince Aranzo, là. Ça va être bien. Il y a des trucs déjà qu'ils ont. Vous comprenez? Donc, on va essayer de mettre en place. C'est une diplomatie. Oui. C'est une diplomatie. Je pense que, on peut
concéder cela. Si eux-mêmes assument déjà, c'est bien. En attendant de passer la parole à Yves-Patrick Loco, qui pourra nous dire son point de vue par rapport à ça. Monsieur Maman, vous avez... Oui, mais c'est fait un problème sémantique. Ça ne veut rien dire du tout. C'est juste pour adoucir. Ah, vous pensez que ça ne veut rien dire, mais non, c'est important. Non, c'est juste pour dire que... Okay, sur un terrain diplomatique. Non, effectivement, c'est de les caresser, de adoucir les tensions pour dire donnez-nous encore plus jusqu'à finir de prendre tout ce qui nous appartient. C'est notre propriété. On n'est peut-être pas dans une logique de va-t'en-guerre. C'est ça. Donc, il faut être doux avec son partenaire pour pouvoir vraiment rentrer en possession de nos biens culturels. C'est fondamental. Très bien. C'est ça. Ok. Oui, Patrick Loco. Non, mais je suis d'avis avec Ferrol et Ndeto. C'est une manière à nous de pouvoir dire voilà, vous n'auriez peut-être pas dû nous les rétrocéder, mais il a fallu même prendre une loi à l'Assemblée nationale française. Il a fallu commettre une étude avec Felwine Sarr, l'intellectuel sénégalais et Savoie. Donc, il a fallu faire beaucoup de choses. Donc, la France s'est investie dans ce retour-là de nos œuvres. Donc, c'était juste une remarque que je faisais, parlant du champ sémantique qui est utilisé ici et ailleurs. D'accord. Merci. Il y a une inquiétude à mon niveau. Oui. Franchement, c'est l'occasion pour moi de peut-être faire sortir. C'est-à-dire que ces œuvres-là, j'espère que c'est... Ce sont des authentiques, vous voulez dire. Exactement. Non, ça va être. Non, franchement, c'est un vœu, c'est une inquiétude à mon niveau. Et je voudrais vraiment que ça soit vraiment des œuvres authentiques. Parce que la reproduction de ces œuvres-là pourrait être possible. Non. Des gens qui ont fait des études, de longues études, peuvent vous reproduire exactement. Quand ils voient un objet, ils peuvent vous reproduire exactement le même objet. D'accord. Dans un an, dans deux, fait sortir le même objet, tu ne peux même pas faire une différence entre l'original et la photocopie. Encore que ces œuvres sont là depuis 130 ans, donc, 129 ans. 130 ans, c'est entretenu. Effectivement, non, c'est une inquiétude personnelle. Il faut les remercier. Parce que nous, par exemple, on n'a pas de laboratoire. Il y a des laboratoires qui peuvent attester, qui peuvent analyser ces œuvres pour dire ah, ça, c'est l'original, ça. Ça, ce n'est pas l'original. Donc, ça, c'est une inquiétude personnelle que je soulève. Ce n'est pas que je suis en train de dire que ces œuvres-là sont corrompues, sont photographiées. C'est personnel. Vous êtes peut-être le porte-parole de beaucoup de Béninois qui sont sur le faisceau-là. Ouais. Mais il faut remercier aussi les Français pour la conservation de ces œuvres. Non, je ne refuse pas tout ça. Parce que, en fait, moi, je suis journaliste et beaucoup de parents, beaucoup de personnes m'ont écrit par rapport à cet aspect-là. Justement. Qu'il y a une certaine méfiance à leur niveau. Ils ne peuvent pas... Ils ne comprennent pas si ces œuvres-là sont des authentiques ou pas. Donc, de les aider à comprendre mieux, à élucider leur éclair par rapport à ça. D'accord, oui. Donc, moi, je pense que il faut reconnaître que, comme on le dit chez nous, tout non plus longuois, tous les Béninois ne peuvent pas être bêtes à ce point-là. Et un président qui s'investit véritablement dans l'art, c'est qu'il s'y connaît. Il connaît la valeur de l'art. Et qui s'est entouré. C'est quand même un monsieur qui a tout ce qu'il faut dans son sac. Hein. C'est-à-dire, quand il attaque un sujet, c'est qu'il a les cartes pour pouvoir faire truc là. Ouais. Je ne pense pas que la France puisse vouloir nous faire un affront. Parce que nous faire cet affront-là serait créer véritablement un incident sans précédent. Parce que là, c'est ce qui va nous amener à lui montrer qu'on est véritablement un peuple souverain. Et donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des menaces ou des injonctions? Oui, à ce niveau, ça va être une menace si véritablement on trahit. Parce que le problème, c'est ceci. Moi, je pense que. On a déplacé les conservateurs des musées de Ouida et d'Abomey là-bas. C'est d'abord des gens qui s'y connaissent. Il y a aussi des spécialistes. Il y a aussi des spécialistes qui sont partis. D'accord? Si tous ceux-là reviennent en tant que Béninois, nous disent que c'est des œuvres authentiques, on les croit. D'accord. Mais si pas la chimie, parce que le mensonge, ça peut être dit pendant un temps, mais la vérité finit toujours par faire ce truc-là. En ce moment-là, ils seront traités de rôle trahison. Ça va être une rôle trahison si jamais on constate qu'ils nous apportent, ils ont abusé de notre naïveté pour nous apporter des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de sens. Non, là, l'histoire n'y est plus en ce moment-là. Et je crois en la bonne foi de tous ces gens-là. Et je dis une fois encore, c'est le moment de ne pas leur jeter la pierre, mais c'est de les encourager et de leur dire, si vous n'avez pas encore tenu compte de ce détail-là, il faut vérifier. Oui.
C'est tout. Oui. J'ai reçu une grosse interrogation. Et il me dit, tu es sûr que si on va en France, on ne va plus revisiter ces œuvres-là, là-bas? Il a dit, non, bon, franchement, je ne sais pas. Que les touristes, lorsqu'ils vont venir en France, par exemple, ça veut dire que ces œuvres-là, les 26, là, que le Bénin a pu récupérer. Ça voudrait dire que arriver en France, ça veut dire que ces 26 là ne seraient plus là. Il a dit, s'il vous plaît, cette question là. Mais vous, en tant que journaliste investigateur, vous dit, devriez lui apporter. Effectivement, je n'ai pas une preuve évidente pour le dire. Parce que c'est hautement scientifique. Ça veut dire que vous aussi, vous doutez peut-être du travail qui est fait, parce que c'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis longtemps. Oui. Peut-être bien avant, au fait, bien avant le gouvernement actuel, mais qui est venu pousser les choses, pousser le bouchon très loin. Vraiment, oui. Moi, je pense qu'en matière de coopération, il peut arriver que nous ayons des représentations là-bas, quitte à informer que c'est une représentation et que l'authentique se trouve au Bénin. Ça, c'est une relation diplomatique qui permet véritablement aux touristes de dire au Bénin, vous avez l'authentique. Parce qu'il y a une remarque. France 24 était en train de faire le reportage. J'ai vu qu'en face du trône du roi Guézo, il y avait quelqu'un qui dessinait. Et quand vous voyez ce qu'il dessinait par rapport à ce qu'il y a à l'écran là, on se dit, mais là, dis donc, il est talentueux ce monsieur. Ouais. À quelle fin il est en train de dessiner lui-même? Je crois que les sculpteurs Dahomey étaient très talentueux. Donc, la beauté des œuvres. Justement. Voilà. Donc, il a commencé par dessiner. Mais pour quelle fin? C'est ça le problème aussi. Ouais, moi, j'ai remarqué ça. Ouais. Nous sommes d'accord. Mais une fois encore, je dis que s'il devait arriver que le musée Quai Branly expose encore ces genres d'œuvres, d'accord, il doit avoir une autorisation formelle du gouvernement du Bénin, que ce sera une imitation. D'accord. Quitte à permettre maintenant aux visiteurs de se référer au Bénin pour voir l'authentique. Notez très bien. Merci. Voilà. Oui, Patrick, allez-y. J'ajoute quelque chose. Allez-y, bien sûr. Nous avons encore quelques minutes. De cette actualité, c'est toute la manifestation qui a eu lieu autour en France. Il faut saluer la semaine culturelle du Bénin qui a eu lieu au musée Quai Branly Jacques Chirac à Paris, où la star béninoise Sagouran Danielo s'est produit. Et voilà, où également l'orchestre Black Santiago a démontré de quoi il est capable. Je tiens à saluer cette action-là. Ils étaient en tenue locale, mais le ministre était en costume. On ne va pas lui en vouloir forcément pour ça. Merci à vous, chers collègues. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder le troisième sujet qui voudrait qu'on s'intéresse à l'actualité de l'autre côté de la Guinée équatoriale ce qui se passe là-bas. Les Béninois, les étrangers seraient peut-être en danger. Nous aurons le temps d'y revenir une autre fois. En tout cas, merci Ferrol Adokonou, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'être toujours là. Le plateau hebdo des éditorialistes vous réclame. C'est un plaisir. À chaque fois que vous m'inviterez, je serai là par la grâce de Dieu. Merci. Et Patrick Loco, merci aussi. Je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio Nationale. Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Je remercie aussi et je présente mes excuses pour toutes les fois où j'ai donné ma parole et que j'ai fait faux bond. Le métier oblige. Voilà, merci. Maman Ndeto, directeur de publication du quotidien La Cloche, merci d'être venu. Je vous remercie également. Très bien. Ouais. Mesdames et messieurs, voilà le plateau de l'hebdo des éditorialistes se referme, le temps de se rouvrir dimanche prochain. Mais en attendant, nous sommes encore là. Dimanche, c'est politique se poursuit, le bulletin juste après nous et tout le plateau pour le débrief tout à l'heure autour de 13h50. Merci et très bonne suite. À tout à l'heure.